À tous et à toutes, on est très heureux d'accueillir Sylvain Cipel, rendez-vous qui avait été manqué l'année dernière pour cause de Covid, à peu près à la même époque. Mais voilà, on a la suite dans les idées, donc merci d'avoir accepté notre invitation à plancher sur votre dernier livre, « L'État d'Israël contre les Juifs ». Il y aura une séance de dédicace à la fin pour ceux et celles qui le souhaitent. Et puis, il y aura aussi une petite collecte à la fin pour ceux et celles qui le souhaitent également. Et je voudrais remercier les partenaires de cette soirée, à savoir les amis du monde diplomatique. Et je voudrais excuser l'absence de Catherine Chauvin qui est un peu souffrante et qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Autre partenaire, la librairie Terre des Livres, l'association France-Palestine Solidarité, dont un grand nombre sont parmi nous, l'Union juive française pour la paix, également un certain nombre d'amis sont avec nous. Et puis je voudrais saluer la présence de notre sénatrice préférée, Raymond Poncet. Merci d'être là, Raymond. Pour cette conférence et cette présentation et cet échange, bien entendu, autour du livre de Sylvain Cipel. Alors, Sylvain Cipel a été directeur de la rédaction de Courrier International et rédacteur en chef au Monde. Il a couvert les premières années de la seconde intifada et a été correspondant du Monde aux États-Unis de 2007 à 2013. Donc, il connaît bien les arcanes de la politique et de ce que sont les États-Unis. Et je pense qu'il nous fera un bon détour par les États-Unis. Et puis, il est l'auteur des Emmurés, de la société israélienne dans l'impasse. C'était aux éditions de La Découverte et c'était en 2005. Et puis, les Récidives, si je puis m'exprimer ainsi, avec ce livre, L'État d'Israël contre les Juifs. Donc voilà pour les présentations.